Yo les gars, donc aujourd'hui, petit tuto, je vais vous faire voir comment mettre un fond d'écran sur votre PS4. J'ai paumé ma manette, elle est où? Ensuite, vous allez dans application. Ensuite, il faut aller sur internet, c'est là, navigateur internet, démarrer. Ensuite, vous allez sur wallpaper wide. Donc là, le Sonic il est tout moche. Là, c'était ma première tentative. Donc là, voilà, vous allez aller sur ce site là. Vous allez avoir plein de fonds d'écran pour la PS4. Donc là, vous avez plein de thèmes. Donc moi, je vais prendre, je sais pas, moi par exemple, Spider-Man, Crash Bandicoot, Spider-Man. Allez. Après, vous pouvez mettre gaming, des trucs comme ça, vous allez avoir pas mal de modèles. Moi, je choisis Spider-Man. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Il y a du choix. Bon, le rouge, il est pas mal. Allez, hop. Appuyez sur la croix, ça va se télécharger. Ensuite, vous allez arriver ici. Vous allez appuyer sur le rouge qui est juste là. Vous n'y changez rien, tout est bon. Là, ça apparaît. Ensuite, vous mettez en plein écran. Voilà. Parce que si vous faites pas le plein écran, vous allez avoir le contour et ça va faire moche. Sur share, vous allez sur capture d'écran. Là, il charge. Vous allez dans activité. Et il apparaît là. Vous faites publier. Ensuite, vous allez sur le bouton PlayStation de votre manette. Hop, vous allez aller dans votre galerie photo. Là, normalement, on va le retrouver ici. On est marre. Vous allez dans tout. Et voilà, je le retrouve là. Bon, je l'ai téléchargé deux fois en plus. Vous allez dans options et vous faites définir comme arrière-plan et là vous validez sur la croix. Vous pouvez mettre l'aperçu, je vais appliquer direct moi ailleurs. J'allais sur le menu et voilà, c'est bon, j'ai mon Spider-Man, pas mal. J'espère que ce petit tuto vous aura aidé les amis. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos gaming. Salut tout le monde !